raquette de tennis contre une poêle et au volet pour pouvoir gagner la finale. Je fais des croche-pattes au joueur qui a le ballon. Quand on me cherche, je peux vraiment être un démon. Bonjour à Indiacha, chasseur de trésors et explorateur. Connaissez-vous tout en chaton, puissant pharaon et super danseur. Kylian adore les bananes. Gabi la journaliste publie tout ce qu'elle glane. La palette est un artiste, Carlito un grand styliste. Place aux danseurs de l'extrême, expert en chorégraphie, dont Lola qui vous salue avec la petite Romy. Voici les roses pour mon rêve de la chara. Le maître du charaté c'est Ninja. Quant à l'aimable Neko, quelle chance il a. Igor est vraiment une force de la nature et du grain. Dans les parfums excelle, Edison déploie ses ailes. Besoin d'un bon mécanicien. Molette n'est pas loin. Oui. Cléo est une vraie peigne. Éteigne est un vrai fléau. Et bosse leur chef, susceptible, irascible, impossible. Chacrifant. Voici Milady, à la basse elle assure. Et puis Boulette, au clavier c'est une pointure. Et pour finir, à la guitare, c'est moi, Éclair, le plus espiègle, et j'en suis fière. C'est nous les Mystichas, le groupe de rock félin qu'on n'oublie pas. On s'est amusé jusqu'au bout, les 44 chats et nous. Et pour terminer, en apothéose, on a conçu ce numéro grandiose. Chien et chat. Il était une fois un chat lunatique qui avait décidé contre toute logique de prendre des leçons pour devenir un chat, apprendre à ronronner et à attraper les rats. À longueur de journée, tel un virtuose, il répétait son rôle et prenait la pose, mâchouillait des brins d'herbe et faisait le gros dos, se cachait sous les couettes. Chien et chat, qui a dit qu'il ne s'appréciait pas. Chien et chat, qui a dit qu'il ne s'entendait pas.
chat-puant, ancien prix d'élégance. Il a le regard louche, la moustache indocile. Ses dents sont aussi jaunes qu'un canari des îles. Qu'un canari des îles. Il a de la prestance, mais son odeur immonde fait fuir en une seconde tous les chats à la ronde. Sur son gilet troué, un tas de taches dégoulinent. Même les puces qu'il héberge se bouchent les narines. Gargasse le chat-puant est vraiment allergique aux douches. Sans cesse sur son chemin, chat et humain tombent comme des mouches. Il a l'air de sortir d'une essoreuse. Mais la couleur de son pelage est plus que douteuse. Gargasse le chat-puant est vraiment allergique aux douches. Et côté crasse, on peut dire qu'il en tient une sacrée couche. Mais en matière d'hygiène, on en trouve sans peine. Beaucoup qu'il y ressemble, qu'il soit petit ou grand. Bien qu'étant encore une gamine, j'ai déjà deux passions dans la vie. La première est la musique latine, l'autre est de faire à manger pour mes amis. Un matin, j'ai eu l'idée unique, devant mes placards pleins à craquer, d'une recette gastro-félinomique qui vous donnerait l'envie de danser. Que veux-tu dire? Que veux-tu faire? Ayez confiance. Du bocal où sans bruit il tourne en rond. Qui vient te voir, c'est un poisson tout mignon. Quand le matin sous tes fenêtres s'élève une chanson. Qui te salue, c'est un oiseau tout mignon. Mais quand ton joli sofa est grippé de haut en bas, c'est qu'il y a un chat gosse chez toi. Si sur la table un bouquet trône dans un vase en cristal.
Dans tous les coins, ton trésor se dérobe sans fin. Est-il dans le vase en argile ou dans la gueule du crocodile? Quel insupportable mystère! Ah, tout en chaton, chaton, tout en chaton. Tu as beau chercher dans tous les coins, ton trésor se dérobe sans fin. Tout en chaton. Connais-tu ce super groupe, les Mystichats? Ils jouent de la musique et chantent. Ils adorent tellement l'eau de coco qu'ils en boivent à même la plante. À son tour, Kylian le chat sauvage bondit en cadence ça et là, tandis que Sarah Gaiman voltige dans les airs comme une diva. Oh, une pluie de bananes tombe en continu. Kylian ou Boulette, c'est à qui on mangera. Aujourd'hui ton anniversaire et tous tes camarades sont présents. Pour fêter cette occasion au milieu du jardin, un gros paquet t'attend. Tu veux savoir ce qu'il contient, alors qu'attends-tu pour l'ouvrir? Ne perds pas un instant. Aucun chaton, on le sait, ne peut résister à la curiosité. Quel bonheur, c'est une trottinette. Ce trotte-trotte, c'est une des friandines. Trotte-trotte, terminant juché sur ses roulettes. Trotte-trotte, trottinette, sa guide. Trotte-trotte, trottinette. Au démarrage, il faut un peu patiner. Puis on décolle et on se sent flotter. Tel un nuage, c'est la liberté. Joli dinosaure en plastique a une morphologie unique. Ses bras sont un peu atrophiés, mais ses jambes sont hyper musclées. Son cerveau est électronique, c'est un dino technologique. Mais malgré ses nombreux gadgets, il n'en fait qu'à sa tête. C'est un tire-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 
Et joyeux Noël à tout le monde. Tout le monde est prêt, c'est parti pour un spectacle inouï, inouï. On fait du bruit pour les roses pompons, roses pompons, roses pompons, roses pompons. Yeah! On se bouscule, on s'entasse. De loin, on est venu en masse. Il est temps que l'on commence, car l'émotion est immense. Pour une soirée unique, se produit un trio chatastique. Trois artistes incomparables, lors d'un concert mémorable. Au plaisir de la musique, allons-nous sans tarder. Pour que cet instant magique, oui magique, dans ton cœur reste gravé. Dans vos soleils d'été, tournez vers le ciel comme les ondes bercées par les rayons d'un vos soleils.
au loin résonne un joyeux tintement. Le glacier en personne arrive au bon moment. Vite on se précipite pour être les premiers. Mais la mine déconfite, il nous dit désolé. Inutile d'attendre, j'aimerais vous contenter. Mais je n'ai plus rien à vendre, ma machine est cassée. Ne comprends pas, il y a plus grave que ça. Sur nous, tu peux compter, on est là pour t'aider. Où que tu sois, surtout n'hésite pas. A que j'ai peur, à que j'ai peur. Qui a peur dans le noir? C'est pas moi. Qui a peur dans le noir? C'est pas moi. C'est le chat de gouttière qui demande à sa mère de laisser la lumière allumée. Qui a peur dans le noir? C'est pas moi. Qui a peur dans le noir? C'est pas moi. C'est la brebis inquiète qui, lorsque crie la chouette, se cache sous sa couette. Mais pas moi. Je suis grande et à mon âge, on n'est pas impressionné. Quand vient le marchand de sable par un peu d'obscurité. Mais la chose est différente lorsque l'on est tout petit. Chaque nuit on se demande si...